Hello, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau vlog. Déjà, je suis vraiment désolée pour la qualité de la caméra parce que là, c'est vraiment pas ma caméra. Je filme à l'iPhone et comme je vous ai dit dans le vlog Toronto, l'entrée de ma carte SD, il y a un blocage, je n'arrive pas à mettre ma carte SD, donc ça fait que pour le moment je ne peux pas utiliser ma caméra, je suis au Canada et ils n'ont pas les pièces pour réparer ma caméra. Dans ce vlog, vous allez voir que je vais partir à New York et ça sera la quatrième fois. Je suis partie en 2015, en 2016 ou 17, en 2018 et la dernière fois que j'y étais c'était en 2018, donc il y a 5 ans. Et là je pense que je vais beaucoup plus visiter, enfin avant genre j'étais ado, je suivais un peu ma mère, mes tantes, etc. Mais là genre je vais vraiment visiter, genre vraiment c'est moi qui ai fait le programme, c'est pas genre je vais suivre ma mère pour faire du shopping, ma tante pour faire du shopping, genre là vraiment on va visiter des monuments et tout que j'ai déjà vu. J'ai vraiment déjà vu presque tout à New York, genre je suis juste pas partie au mémorial des personnes qui sont décédées le 11 septembre parce qu'en fait je trouve pas ça normal personnellement de payer pour aller voir des personnes mortes. Mais je sais que j'avais fait ça au Rwanda aussi, mais genre vraiment ça m'attriste beaucoup, genre tu vas pour regarder les photos des gens qui sont morts, genre moi je trouve pas ça normal. Mais en tout cas voilà, donc ça on va pas faire, mais on va voir au niveau de là où il y a les trous, enfin là où il y a les tours qui sont tombées. Et bah vraiment j'ai hâte. Là je pars dans 1 heure. Ouais, je pars dans 1 heure, donc je quitte Québec pour aller à New York. Ça va être un peu 8 heures de route par là. Après, il y aura des pauses. Donc vraiment, ça va être très long. Genre, je crois qu'on va arriver vers 9h, 10h à New York. Et le temps qu'on passe la douane, le temps qu'ils vérifient le bus, le temps que chacun montre sa pièce d'identité, enfin son passeport, ses papiers, les billets d'avion, les estas, les visas, les machins, machins. Il y a un peu des pilou-pilou, vous allez voir dans la vidéo, parce que je suis juste devant la lumière. Donc vraiment, je suis désolée, genre, la lumière du jour, là il est 20h donc il n'y a pas de lumière du jour, donc voilà. Donc j'espère que ce vlog va vous plaire. Comme d'habitude je vais vous emmener avec moi et vraiment c'est pas pratique pour moi de filmer à l'iPhone, je suis plus habituée à filmer avec la caméra, après hop je mets tout sur mon ordi, là ça va être un peu compliqué parce que même niveau qualité et tout c'est pas du tout la même chose, ça me dérange un peu, mais c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. Je vais filmer à l'iPhone et je vais réparer ma caméra dès que j'arrive en France, genre même s'ils me demandent de payer et tout, même si j'ai des assurances et tout, ou même s'ils me demandent de payer en disant que c'est moi qui ai gâté la caméra, c'est pas grave, je payerai. Parce que frère, être sans caméra et quand t'es habitué à la caméra, c'est un peu compliqué quand même. C'est un peu compliqué quand même et j'appréhende déjà le trajet New York. Mais en vrai, là, c'est la nuit, donc ça va aller normalement. Genre, on va dormir. Comparé à Toronto où l'aller et le retour, c'était en journée, c'était horrible. Mais le retour était plus horrible que l'aller. Du coup, voilà. Et je vais voyager du coup avec Tamura, Marion, parce que les autres, ils doivent avoir le visa pour aller aux États-Unis. Ça aussi, c'est chaud. C'est chiant en fait, genre les États-Unis c'est pire qu'aller en Corée du Nord, genre c'est vraiment pire qu'aller en Corée du Nord. Genre pour avoir le visa, mes potes, la prochaine, genre, enfin le prochain rendez-vous pour eux, c'était soit l'année prochaine, soit genre quand on rentre en août 2023, et bah ça sert à rien en fait, genre, enfin, c'est archi chaud. Alors que pour dire que nous les Français, on fait un ESTA et en 30 minutes on a l'ESTA, genre moi j'ai toujours fait ça, c'est la quatrième fois que je vais à New York, et j'ai toujours fait ça. À chaque fois que j'allais à New York, c'est la première fois que genre je quitte Canada pour aller là-bas en bus. À chaque fois c'était je quittais de Washington DC ou alors de Maryland pour aller directement là-bas. Et bah, je faisais à chaque fois un mois aux États-Unis, mais j'allais toujours pour 4 jours, pour 2 jours à New York, genre juste un week-end. Mais là je vais vraiment de jeudi à lundi, donc vraiment ça va être bien et j'espère que ce vlog vous plaira. Les New Yorkaises. On est bien arrivé à New York. Par contre, le voyage, j'ai douillé sa race. Comparé à Toronto, les sièges, ils étaient pas du tout adaptés, ils étaient en cuir et pas du tout adaptés pour le dos quoi. Et là, bah, on est bien arrivé. On est arrivé à 7h. Et on a fait combien de temps de voyage même? 7-8 heures. Ouais, 7-8 heures. Ça va être compliqué de parler en marchant. Et en plus avec ce bruit. Mais je vais essayer de mettre les sous-titres parce que là, ça va être un enfer sinon. Mais en tout cas,
On est à New York. Là, on va aller prendre le petit-déj parce que on n'a pas mangé. Moi, hier, avant de voyager, j'ai mangé des chips. Donc vraiment, là où je suis là, j'ai hyper faim. Et let's go. Ça va, Tamira? Ouais, tranquille. Nobody fi be somebody, somebody fi be nobody. Never look down or no. Aye, aye, aye. Nobody fi be somebody, somebody fi be nobody. Never look down or no. Me a make glass on a low, on a low. Me a wanna turn up on a low, on a low. Me a wanna get to the door, on a low. Me a wanna shine on a low, on a low. Me a wanna turn up on a low, on a low. Là, on est arrivé au Central Park et pour moi, c'est la première fois que je viens ici. En vrai, genre, c'est un truc aussi historique à voir ici. Et les métros, par contre, je trouve ça hyper sale. C'est vraiment hyper sale. Carrément, tu vois des rats. Des rats là où il y a les métros qui passent. Même Paris n'est pas comme ça, hein. Je suis désolée. Paris n'est pas comme ça. Mais ouais, Paris n'est pas aussi sale et ça se voit que bah ça fait hyper longtemps que c'est pas rénové. Mais voilà quoi. Vraiment ? Il voit bien qu'on a rien, on n'a pas à manger. Aye, aye, nobody fi be somebody, somebody fi be nobody, never look down or no. Aye, 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 nobody fi be somebody, somebody fi be nobody, never look down or no. But me a make cash in a loop, on a loop. Me a wanna turn up on a loop, on a loop. Me a wanna get to the door, hey, door. Me a wanna shine on a loop, on a loop. Vous aviez faim? Jusqu'à Tamira, elle avait mal à la tête. Donc là, il y a la petite salle de bain. Hello. Par contre, c'est très petit. Hein. C'est minuscule. Et ensuite, il y a les deux lits. Coucou Tamira! On vient d'arriver à l'hôtel et comment vous dire que l'hôtel est mingili. Les chambres sont extrêmement petites, mais vraiment très très petites. Mais en tout cas, on a fait que marcher, marcher, marcher. Je sais même pas combien de temps on a marché, même en vrai. On a marché, marché, marché. On a fait quoi? On a fait... Bon, on a pris un smoothie. Ensuite, on a fait quoi? On a fait les boutiques. On s'est arrêté au Zara, on s'est arrêté au Forever 21, on s'est arrêté dans une boutique de chaussures. Et depuis, ouais, on a vu la tour de Trump, la 50th, comment on dit, 50th Avenue, Central Park.
On a cherché mes baskets partout, 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 partout. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas. Donc j'espère que je vais trouver mes baskets en fait. Parce que ça coûte moins cher ici qu'en France. 40 euros à 60 euros de moins. Mais t'en as acheté une quand même. Ouais, j'en ai acheté une quand même. Une Dunklo blanche et noire. Donc vraiment ça va être bien. Mais par contre c'est compliqué de vlogger en marchant ici. Il y a tellement de monde. Et cette fois-ci je m'en fous, je floute pas les gens au montage. Parce que frère, ils me voient avec ma caméra. Et bah, ils se poussent pas. Donc c'est chaud. Et bah, je pense qu'à des moments je vais mettre des sous-titres. Parce que vraiment... c'est chaud. Mais en tout cas, là, on va aller chercher encore les baskets, faire peut-être le sunset du ferry, voir la boutique M&M's, et après, on verra ce qu'on fera. It's a bad man thing. It's body, baby. V-Kills. Let's go. I'ma make you bounce like a hurricane. I'ma make your bed rock like a hurricane. I'ma do it like nobody can. And I'll give you all the things that nobody can. I'ma make you bounce like a hurricane. I'ma make your bed rock like a hurricane. I'ma do it like nobody can. And I'll give you all the things that nobody can. Standard. Hurricane. Ooh, yeah. I want it, me too. Tell them I'm the realest, then they feel me. Kill him on the rhythm, then they feel me. I'm always all about my business. I got my business and will never ever finish. She know be one to test in my style. Say she wanna throw the dice, body looking nice. From my hips down to her thighs. Then I look her in her eyes. One time, say she no one waste time. Bad man mean I give her one time, night time. Say she want me for lifetime. Bad man mean I give her the... La Tamura n'a pas peur du diabète. Moi aussi, je suis en train de faire le mien. Mais c'est pas pratique. He's smiling. He likes it. He's good. He and oh. What the hell, brother? You know what? Turn him around. Turn him around. Turn him around. Turn him around. You know what, man? Come on, buddy. Oh, you get to the back. You laughing, you nasty man. Get out of here. Get right. No, no, no. Turn around. He doesn't trust you neither. C'est bon? Moi, j'ai pris deux parts de pizza au fromage et une petite bouteille d'eau. Et on était chez M&M's. Hello. Là, on vient de rentrer à l'hôtel et ne prêtez pas attention à ma tête comme d'habitude. Vous-même, vous savez que je m'en fous. Ici, c'est ma chaîne, donc vraiment, je m'en fous. Je suis en boubou, je suis en bonnet. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Mais on est à New York. On est à New York. Je suis déjà in good New York. Bref, je ne vous ai pas trop raconté le voyage. Mais en vrai, le voyage, le bus était inconfortable. Genre vraiment, les sièges inconfortables. Mais sinon, le bus est beaucoup, beaucoup plus... développé que celui qu'on a pris pour aller à Toronto, mais les sièges sont pas du tout confortables en cuir et tout, c'était pas du tout confortable. Les gens de ma classe qui ne font que parler, j'en pouvais plus, de genre aucun respect. Les gens, ils veulent dormir, t'en as que qui font que parler, ça me saoulait. Et surtout, genre les fumeurs, je peux quand même les comprendre, j'ai aussi eu pitié d'eux. Que frère, depuis là on fait pas de pause et tout, genre pour eux ça doit vraiment être compliqué. Genre moi je comprends pas l'addiction au tabac. J'arrive pas à les comprendre et tout, mais je les comprends quand même. Mais sinon, en dehors de ça, ouais, genre ma classe, je n'ai pas les mots, mais je vois qu'il y a vraiment un fossé entre ma promo de l'ESSEC et ma promo au Canada. Genre c'est un truc de ouf et ça me fait envie de rentrer chez moi. Genre vraiment j'ai envie de rentrer chez moi. Genre je sais pas comment vous expliquer, mais bref, on n'est pas dans le même monde.
En dehors de ça, aujourd'hui on a fait pas mal de choses. On n'a pas fait la Statue de la Liberté, mais on la fera demain. Aujourd'hui on a fait que marcher. On est allé dans tous les footlockers du Canada. Enfin, j'allais dire du Canada. On est allé dans tous les footlockers de New York, genre vraiment parce que je cherche deux paires. Et j'ai constaté en fait en regardant une paire dans un magasin que la paire était très très moche. Je vais vous mettre une photo. La paire était très 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 moche. Et la paire de Dunk Low Rose que je veux, elle est super belle, basique et tout, c'est des paires que j'aime en général, donc je pense que je vais la prendre. J'ai pris une paire de Dunk blanche et noire, et je vais voir quelle paire je vais acheter après, mais genre la paire de New Balance, je vais essayer de vous mettre une photo, mais horrible, genre je l'ai vue en vrai, je me suis dit, wesh, c'est quoi ça là? C'est quoi ça là? C'est moche? Mais ouais. Du coup, on avait les boutiques, on a vu la boutique M&M's, on a fait plein de boutiques de chaussures. On a fait Zara, Forever 21, on a fait les magasins aujourd'hui. Le soir, on a mangé une pizza. Vraiment, les endroits les plus ghetto, les plus sales, les plus tout ce que vous voulez, c'est les endroits les plus bons, où la nourriture est vraiment bonne. Parce que nous, on a mangé pour 4$ ce soir. Et vraiment, on a très très bien mangé. Et vraiment très très bien mangé. On a mangé pizza plus boisson, genre vraiment, c'était bien. Demain, on va faire la Statue de la Liberté, le pont de Brooklyn, l'Empire Building. Qu'est-ce qu'on va faire encore avec mon accent pourri là? On va faire Chinatown peut-être, Joe's Pizza. C'est un truc vraiment connu, genre on est passé devant, mais vraiment waouh, la queue. Il y a peut-être 3 heures de queue à tout péter, genre vraiment 3 heures de queue à tout péter. Mais sinon, c'est tout ce qu'on a fait, mais vraiment, on marche trop à New York. Genre, on marche x10 de Paris. x10 de Paris. Là, là, je suis fatiguée. J'ai mal aux reins, j'ai mal aux pieds, j'en peux plus. Demain, on va faire le petit déjeuner et après, on va faire toutes nos activités. On prend le ferry demain, on voit le pont de Brooklyn et on voit ce qu'on va faire le reste de la journée. Bonne nuit. Hello. T'as bien dormi, Tamira? Ouais, tranquille. Pas encore mal? Au dos? Non, mais au pied. Oui. On va encore marcher aujourd'hui. Ouais. De ouf. Là, on est à la gare. Je vais essayer de parler fort. Parce que, elle est vraiment belle. Parce que là, on doit trouver le subway pour aller du coup à la Statue de la Liberté. I'ma make it bounce like a hurricane. I'ma make your bed rock like a hurricane. I'ma do it like nobody can. And I'll give you all the things that nobody can. I'ma make you bounce like a hurricane. I'ma make your bed rock like a hurricane. I'ma do it like nobody can. And I'll give you all the things that nobody can. Hurricane, ooh, yeah. I want it, me too. Ça fait 3 fois que je viens au ferry gratuit et on veut déjà nous arnaquer. Juste, ils allaient t'avoir. Ah, pas du tout. Les $30 là, c'est pour aller chez Forever. Mais c'est ça. Et même si la Statue de la Liberté, en fait, on la voit de loin, enfin, moi je vois pas. Même là, on la voit déjà, frère. On la voit. Et ils veulent absolument qu'on soit dessus. Mais moi, je l'ai déjà fait 3 fois avec mes tantes et tout. Et genre on passe devant, tu vois, et genre ils s'arrêtent pile devant pour qu'on fasse les photos. Et puis c'est tout, genre t'as pas besoin d'être sur la statue. Clairement, j'ai fait la mendiante, on est étudiant, on a pas d'argent. Et le gars il a fait ouais, mais une personne paye 20 et le reste paye 35. Fort, hein. Moi je te jure. Moi je te jure à deux doigts de craquer. Me island too. Beauty now your body gives me eyes can see. Oh gosh, fire can cool. The way you want your body get your fire can cool. Oui. She says she want the rundown. Bad man na me the run town. Then I tell her my lady, my baby, may she calm down. Bad man na me the run town. One time, say she know. Oh. Ça fait du shopping. Ouais, par contre, ça, il faut qu'on arrête. Mais tu vois, heureusement qu'on n'a pas payé les $30, parce que ça nous a servi à faire le shopping. Ah ouais. Le gars, il voulait nous arnaquer, ça nous a servi à faire du shopping. Moi, j'ai acheté des trucs pour ma sœur et des basiques. Et toi, que pour la familia. Ah non, et toi aussi. Ouais, des shorts,
t-shirts. Voilà, pour l'été. On est chez qui? Chez Tia. T'as pris quoi, toi? J'ai faim. T'as faim, mais au moins la bouteille va te remplir, parce que vraiment, pour 13$, moi j'ai pris une boisson, un burger. Marion, elle a pris un burger. Burger quoi? Shake burger, le basique. Ok. Le shake burger, le petit burger. Et franchement, c'est ça a l'air pas consistant en tout cas. Bah alors la Tamurin. T'es choquée? Okay. T'es choquée de quoi? En vrai, je sais pas ce qu'on fait là. D'accord. Moi perso, je préfère celui de Washington DC. Genre le Chinatown et tout. Genre là, ça se voit qu'il domine le quartier. Genre vraiment, c'est. Enfin, tu vois même pas d'Européens, tu vois même pas d'Américains ici. Ouais, c'est fou en fait. Dès qu'on est sorti de la station, il y a que eux. Genre vraiment, il y a que eux. En vrai, c'est un peu bizarre ici. Ouais, c'est vrai, c'est vraiment bizarre. Say she know on this time. Bad man, me na give her one time, night time. Say she want me for lifetime. Bad man, me na give her the pipeline. Give me na the vibe. Say she wanna roll. Moving all her body, say she don't wanna go. Bad man's on the floor. People them applause. Singing and rapping, I'ma be killing on the floor. I'ma make you bounce like a hurricane. I'ma make your bed rock like a hurricane. I'ma do it like nobody can. And I'll give you all the things that nobody can. On est bien rentré à l'hôtel et vraiment à New York, on ne fait que marcher. On a vu Chinatown. Moi, ça faisait longtemps que j'avais déjà fait Chinatown et je sais comment les gens ils te tirent, comment ils te... C'est chiant. Mais vraiment, c'était chiant. Les gens, à chaque coin de rue, ils veulent te vendre des sacs, qu'on te tire par-ci, par-là. Et en vrai, Chinatown, c'est pas ouf. C'était vraiment le quartier le plus nul de New York qu'on a vu. Ensuite, on a fait Little Italy, c'était pas mal. Le quartier Soho. On a fait toutes les boutiques de sneakers de New York, mais vraiment toutes les boutiques de sneakers de New York. On a mangé. Ouais. On a mangé des salades pour une fois depuis. J'avais pas mangé healthy. Et on s'est arrêté dans une boutique pour acheter des produits pour les cheveux. Montre ce que t'as acheté. Un petit shampoing. Ouais. Pour le volume.
Oh, non, je sais pas. Non, pardon, ça c'était l'après-shampoing. Ok. Ça c'est le shampoing. Pour le volume, ouais. Ouais. Ça c'est des huiles. Là c'est pour assouplir, revitaliser. Ok. Là c'est pour réparer les cheveux endommagés. Ok. Et celui-ci c'est pour hydrater. Voilà. Une nourrissante. Et une crème pour les cheveux. Mm-hmm. Parce qu'on est obligé d'acheter un grand format. Vraiment. Et une crème pour le corps qui est censée hydrater. Ok. Ouais. Donc moi j'ai acheté déjà un truc parce que genre j'ai plein de pellicules, donc j'ai acheté un shampoing que je connais même pas, mais le goût elle m'a tellement vendu le truc que j'ai acheté ça là. Ça s'appelle Tea Tree Mint, donc c'est à la menthe, c'est censé être quand les gens vont sentir mes cheveux là. Et ça je dois mettre après, c'est la même chose, c'est le traitement. J'ai oublié d'acheter l'après-shampoing. Bref, c'est pas très grave, l'après-shampoing. J'ai pris du coup l'après-shampoing que Tamura m'a vendu d'ailleurs. Elle a acheté la même chose, donc du coup, bah, j'ai acheté la même chose à l'avocat. Non, c'est à l'avocat et à l'huile de jojoba. J'ai acheté la même chose pour les cœurs parce que bon, on a trop de volume, il faut vraiment le max, max, max. Et j'ai acheté une brosse à poils de je sais pas quoi. J'ai acheté ma ponytail. Un peu adapté à la teinture que j'ai là. Donc j'espère que vraiment ça va m'aller. Mais normalement c'est censé m'aller. Faudra nous faire un tuto. La New Yorkaise. Et j'ai dit que je m'appelais Kimberly. Ici en Amérique je m'appelle Kimberly. So my name is Kimberly. I'm sorry. Now I'm an American girl. I'm j'arrive même pas à parler. 1, 2, 3, 4, do it. À l'hôtel avec Tamura, et comment vous dire que là je viens de me démaquiller mais je suis super fatiguée. Je me démaquille carrément dans le lit, mais il faut vraiment que je me douche parce que à New York on marche comme pas possible, genre c'est, j'ai mal au mollet, j'ai mal au dos depuis que je suis arrivée, genre c'est x10 de Paris clairement, genre là j'en peux plus, j'ai juste envie d'aller prendre ma douche, me coucher, on part demain, on rentre demain à Québec. Et bah, je pense que je vais, pas repousser, mais avancer mon vol si je peux pour rentrer plus tôt à Paris. Parce qu'en fait, genre, ça me gonfle déjà. J'ai déjà envie de rentrer. Et bah, j'espère que je vais pouvoir avancer mon vol et rentrer tranquillement et sagement à Paris. Elle n'en peut plus. Like a hurricane, I'ma make your bed rock like a hurricane. I'ma do it like a body can. Hello, on est rentré de New York lundi soir, mais vraiment très tard, vers 23h minuit. Il fait un petit peu chaud aujourd'hui, je vous avoue, mais le temps ici, c'est un coup il pleut, un coup il fait beau et tout. Mais à New York, il faisait vraiment beau. Juste un jour, il a plu. Et ce qui était vraiment bizarre, c'est qu'on passe la douane comme la douane qu'on a à l'aéroport, mais on la passe en route. Genre, à un moment, t'es à United States ou alors de l'autre côté, t'as Canada et tu dois traverser la douane. Mais sinon, New York, ça fait la 4e fois que j'y allais et vraiment... J'adore New York et vous allez le voir dans ce vlog que j'ai vraiment adoré encore cette fois-ci New York. Et j'espère que ce vlog vous aura plu et à la prochaine pour un nouveau vlog.